Salut à tous, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre blog, sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, sur Instagram ou sur notre compte Twitter. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un petit circuit training en fait. Je me suis aperçu, sans avoir la science infuse en trail, mais que pour habiter en plaine, bah forcément les descentes posaient à nous trailers souvent de gros problèmes. Et moi, grâce à des petits exercices très simples que j'ai mis en place, j'ai réussi à vraiment progresser dans ce domaine-là. Notamment sur le trail de la Rune le week-end dernier, où j'ai réalisé une belle descente. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le type d'exercice qu'on peut faire avec un minimum de matériel et sans avoir énormément de temps devant soi, parce que bien souvent c'est le cas. Donc je vais commencer par vous montrer l'application que j'utilise sur mon téléphone. J'ai téléchargé l'application Tabata Timer. Voilà. Et ensuite, ce soir, je vais faire des exercices donc de 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Je me suis programmé, allez, on va dire 24 cycles, et en une seule série, ce qui va me faire 48 intervalles et 17 minutes 55 d'effort. J'aurais plus qu'à appuyer sur le bouton start et ça va commencer. Je vais vous montrer les exercices. En fait, je vais simuler ce soir une descente, en fait. Ensuite, un petit simuler une course à pied sur un terrain relativement plat ou légèrement vallonné, et une montée en bosse. En fait, voilà, qui va se traduire par un exercice de chaise, un exercice de course à pied sur le plat et un exercice de box jump. C'est parti. Et ben voilà, c'est terminé pour ce soir. Un peu plus de 18 minutes d'effort. Comme vous le voyez, ça m'a bien mis en transpiration. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo.
Et ce sera vraiment avec plaisir qu'on échangera par rapport à tout ça. Faites-nous partager vos expériences. Et certainement à bientôt sur les sentiers. Pour nous, le prochain objectif, ce sera sur le grand raid, le trail des Colombes à Carcassonne, à 40 km avec 1300 mètres de dénivelé. On doit être entre 8 et 10 à l'heure actuelle de la Team Trail 17 à être engagé sur cette épreuve. Une petite épreuve pour la fin de saison qui a l'air bien sympa. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Ciao !